Cet épisode commence avec Demir, allongé, se remémorant ce que Jordan lui a dit. Tous les papas sont des héros, et toi, tu es un héros pour ta fille. Aur l'appelle au téléphone, et il sort pour décrocher. Aur, visiblement effrayé, lui dit que Razor est venu chez eux et qu'ils doivent rapidement agir. Demir, d'accord avec lui, lui demande de préparer les faux tableaux pour les remplacer par ceux de Jordan. Aur, soulagé et content, lui donne rendez-vous le lendemain matin. Après l'appel, Jordan appelle Demir pour discuter un moment. Elle lui montre sa bicyclette endommagée et lui demande pourquoi il touche à ses affaires sans lui demander. Elle lui interdit de recommencer, puis va dans sa chambre, visiblement contrariée. Triste, elle se met à pleurer et regarde des photos de famille avec sa petite sœur, toutes deux sur la bicyclette. Elle se rappelle alors de l'accident qu'elle pense être de sa faute, car elle avait le téléphone à l'oreille pendant que sa sœur était assise derrière elle. Le lendemain matin, Demir accompagne sa fille à l'école. Dans la voiture, il tente de lui parler, mais elle ne lui répond pas. Une fois arrivée à destination, elle descend sans lui dire au revoir. Son ami Merkan propose de l'accompagner en classe, mais elle refuse, en disant que tout le monde va se moquer d'elle, puis s'éloigne en pleurant. Pendant ce temps, à l'écurie, Jordan s'occupe des chevaux. Alors qu'elle s'approche d'un cheval nerveux, celui-ci la renverse brusquement. Heureusement, son assistant accourt pour lui venir en aide, et elle se relève, encore sous le choc. De l'autre côté, Demir et Aur vont acheter de faux tableaux pour les remplacer par ceux de Jordan. Pendant ce temps, Jordan est transporté à l'hôpital pour faire examiner sa jambe après son accident. Au même moment, Aur et Demir retournent à la maison pour changer les tableaux. Demir dit qu'il vaut mieux qu'il y aille seul, et part. Soulagé, Aur le regarde s'éloigner et murmure qu'il est temps d'en finir avec cette affaire. À la maison, Demir s'apprête à échanger les tableaux, mais il hésite. Il se questionne sur la trahison qu'il est sur le point de commettre. Pendant ce temps, EIQ est assise seule au bord de la plage. Diemal s'approche et s'assoit près d'elle, lui disant qu'il est un vieil ami d'enfance de son père. EIQ se lève pour partir, mais Diemal la retient et lui dit qu'il a un message à transmettre à Demir. Elle lui suggère de le dire lui-même, puisqu'il prétend être son ami, mais Diemal lui révèle que leur amitié est terminée depuis longtemps. Il lui demande de dire à son père qu'il va récupérer, dans son dos, tout ce qu'il lui doit. La petite ne répond pas, se lève et part, troublée. De retour à la maison, Demir finit par changer les tableaux et place les originaux dans sa voiture. Peu après, EIQ rentre à la maison. Son père lui demande pourquoi elle est de retour si tôt, et elle répond qu'il n'y avait pas classe. Il la regarde suspicieusement et espère qu'elle n'a pas encore fugué des cours. Au même moment, Jordan arrive, soutenu à cause de son accident. Demir se précipite pour l'aider à marcher et lui demande ce qui s'est passé. EIQ, inquiète, demande pourquoi son cheval l'a blessé, et si cela signifie qu'il ne l'aime plus. Jordan, avec un sourire, lui répond que le cheval l'aime toujours, mais que parfois, même ceux qui nous aiment peuvent nous blesser. Demir lui apporte des médicaments à boire et lui promet que tout ira bientôt mieux. Ils s'installent tous les trois, et l'atmosphère se détend légèrement, bien que des ombres continuent de planer sur les secrets que Demir cache à Jordan. Le soir, Demir prépare le repas pour EIQ, mais il ne supporte pas les oignons qui lui piquent les yeux. EIQ lui donne une astuce pour éviter cette gêne, et à sa grande surprise, cela fonctionne très bien. Ils servent ensuite le dîner à Jordan, qui, ravi, leur dit qu'elle est très contente. EIQ lui demande si elle aime leur repas, et Jordan répond avec enthousiasme que c'est délicieux. À un moment, Jordan veut aller aux toilettes, et Demir l'aide à se lever et à marcher. Elle le remercie chaleureusement, et il l'attend à l'extérieur, songeur, se demandant ce qu'il va faire maintenant que les choses semblent se stabiliser. Pendant ce temps, EIQ révise ses leçons dans sa chambre. Jordan vient lui souhaiter une bonne nuit, puis c'est Demir qui l'accompagne à son lit. EIQ lui demande de prendre son pyjama dans le placard. Il le lui donne, elle le remercie et lui souhaite une bonne nuit avant qu'il ne s'en aille. Le lendemain matin, Demir prépare le petit déjeuner.
On frappe à la porte, et EIQ va ouvrir. C'est Murat. Il est jaloux en voyant Demir soutenir Jandan et va immédiatement la prendre en charge lui-même. EIQ rappelle à Jandan qu'elle doit aller à l'hôpital, et Murat propose de l'emmener dans son propre hôpital. Jandan accepte, et ils partent tous les deux. Demir les regarde s'éloigner, pensif. EIQ lui demande si Murat est amoureux de Jandan, et il répond que oui. La petite, perplexe, dit qu'elle n'en est pas fière. Demir acquiesce avec un sourire discret, puis l'emmène à l'école. Avant qu'elle ne descende de la voiture, il lui donne un billet pour qu'elle puisse s'acheter quelque chose à manger. Elle le remercie, puis sort de la voiture. Arrivée en classe, un peu en retard, EIQ s'excuse auprès de la maîtresse. Celle-ci lui demande alors de compter les chiffres dans l'ordre devant ses camarades. EIQ réussit parfaitement, et son amie Merthe la félicite. Cependant, une autre camarade, visiblement jalouse, affiche une mine contrariée. La maîtresse félicite ensuite EIQ pour son travail, et la petite retourne s'asseoir, satisfaite. De son côté, Ougour attend impatiemment Demir au bord de la mer. Lorsque ce dernier arrive enfin avec le tableau, Ougour est rempli de joie. Mais Demir, visiblement contrarié, ne partage pas son enthousiasme. Il retourne immédiatement dans sa voiture sans un mot de plus et s'en va. Peu après, il passe un coup de fil pour annoncer qu'il quitte Istanbul. Pendant ce temps, à l'hôpital, Murat s'occupe du pied de Jandan. Après un moment, Jandan lui dit qu'elle doit rentrer à la maison. Alors qu'il parle, la secrétaire de Murat vient l'informer que quelqu'un le cherche. Il demande quelques instants à Jandan, puis se rend pour rencontrer un collègue médecin. C'est le médecin qui voulait pratiquer une biopsie sur EIQ. Pendant ce temps, Ougour se rend chez Reizor pour livrer le tableau. Reizor appelle aussitôt ses hommes pour vérifier l'authenticité du tableau, laissant Ougour dans un état d'extrême nervosité. Lorsque l'un des hommes de Reizor détecte que le tableau est un faux, Ougour est stupéfait. Il affirme que Demir était censé remplacer le tableau avec l'original. Reizor, furieux, ordonne à ses hommes de sortir avant de se préparer à torturer Ougour pour obtenir des réponses. Pendant ce temps, Demir est chez lui en train de préparer ses affaires pour fuir. Il entre dans la chambre de sa fille, regarde ses dessins accrochés au mur, et tente de lui écrire une lettre. Il commence à lui expliquer qu'il doit partir et qu'il ne peut pas s'occuper d'elle, mais pris de remords, il efface tout et froisse le papier. Il finit par prendre ses affaires et s'apprête à quitter la maison. À l'extérieur, il tombe sur Ougour, le visage marqué par des rougeurs et des coups, qui est déterminé à récupérer le tableau lui-même. Demir essaie de l'en empêcher, mais Ougour, en colère, le frappe et se précipite à l'intérieur de la maison pour trouver le tableau. Pendant ce temps, Jandan et Murat sont en route pour la maison. Murat en profite pour lui révéler qu'il a mené des recherches sur Demir. Arrivés chez Jandan, ils sont accueillis par une scène choquante. Demir et Ougour se disputent violemment le tableau, sous les yeux incrédules de Jandan.